want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. And we got to take the power back, bien sûr, dans cette GSL Codes qui sera le champion de la saison 2 2017. Peut-être un des joueurs de ce groupe ici dans le Winners Match, notamment où on retrouve du coup Curious et Maru pour un TBZ de qualité. On l'a vu, Curious est en difficulté dans ce match. En difficulté en 2017, en tout cas, il a le mérite d'être en Winners Match puisque Dark lui sera dans le Losers Match. Et un gros big up aussi à Splice du coup qui a récemment investi sur StarCraft 2, qui s'est dit que pour prendre des joueurs qui gagnent il fallait investir dans des joueurs de nationalité coréenne et très double bonne pioche. Je veux dire Solar, c'était évident qu'il était adapté pour une équipe foreigner au vu de son investissement envers la scène non coréenne et son rôle de traducteur par exemple à la dernière Monster Cup ainsi que son anglais de qualité. Stats, c'était moins évident, par contre niveau gameplay et niveau de jeu, c'était la bonne pioche. C'est ça, et on essaye hein, du côté du bon ça, c'est d'apprendre l'anglais, même si c'est pas toujours évident hein, l'émission avec Guri où tu dois répondre à des questions en anglais. Sacré coup de tatane, hein, le bon stat, ça c'est assez drôle. C'est ça, ça s'appelle 10 questions, 10 answers. Vous devez trouver ça sur le channel de Spot TV, c'est tout simplement 10 questions en anglais du coup par l'host désormais de la GSM, Guri. Oui. Et si tu parles coréen ou si tu hésites trop longtemps, coup de marteau en passe si tu rigoles. C'est ça. Et du coup la partie qui se lance en bas à gauche. Curious. Quelle coordination. C'est incroyable. Commentateur professionnel. Ouais. On ne dirait pas. Au premier abord. Salaud. Et face à lui. Pour Gene Argonaut. Scott is checkered shirt. Maru, bien sûr le bon Maru qui va, je pense, nous envoyer du rêve hein, dans cette série en TVZ. On a vu d'excellents TVZ, hein, mine de rien, ces derniers jours, que ce soit à la DreamHack Austin ou OG Six Start. Taolek, 26 mois de resub. Ça aussi, c'est l'excellence. Mais voilà, l'excellence de qualité. Maru ici est parti sur un petit gas first, rien de très habituel, inhabituel. Là où Curious va partir sur un spawning pool daybreak, une map où on a vu pas mal de triple Rex Reaper. C'est pas le meilleur plan du monde ici, tandis qu'on voit les cheer. Let's get crafty. Il est marqué quoi sur les touches? C'est E-A. Je doute que ça soit le commissariat à l'énergie atomique. Et la petite canette de O6, bien sûr, voilà. Ici, pas le meilleur plan du monde. Par contre, la smoke plus la Xel'Naga, ça reste vraiment pratique. Il y a un petit jump ici qui n'est pas horrible. Donc on peut faire des triple Rex Reaper, ça sera pas du tout le cas de la part de Maru, qui va probablement enchaîner avec un petit CC des familles. Pendant que voilà, j'ai été lâchement abandonné par le caster tellement professionnel qu'il doit attendre le cast pour aller remplir sa bouteille d'eau. Exactement. Si tu veux, je peux repartir, hein, si ouais. T'as décidé d'être désagréable ce soir. Exactement. Ah merde, non, t'es peut-être pas la référence à ça, mais c'est pas grave. Mais tu peux partir, rentrer chez toi si tu veux, je veux dire, enfin t'auras juste fait une tute quoi, après chacun vit lui-même sa vie et son ego et surtout son éthique. Et puis ses caprices de princesse. Ouais, son éthique quoi. Le beau Maru du coup qui part sur un petit Reaper expand et la factory qui est envoyée immédiatement derrière, donc pas de Kukabildu. Ouais non, le Kukabildu malheureusement qui a perdu un peu de sa superbe, même si on n'était pas tous les deux, mais Ryung contre Biel, le Kukabildu a été épique. Ah ouais. Il y a eu Deli sur Abyssal Rift de « En fait j'ai tué deux tumeurs muqueuses donc j'ai gagné la partie ». Ok. Non mais, quand tu repenses bien à la game, c'est les deux tumeurs muqueuses. À la limite, tu pourrais imaginer un sur des breaks qui empêche le creep de se répandre en dessous. Le mec se pousse dans la rampe, te snipe tous tes bellings, monte, tue tes queens. Merci, au revoir. Ouais, ça m'évoque quelque chose. C'était parti sur la twittosphère. Ouais, effectivement, en même temps,
AC6, ce genre d'opener, opening à Lyon, hein, du côté de Marou, on rajoute de la tech. Donc la théorie, c'est qu'on pourrait faire de la Banshee ou du Corbeau derrière. Maintenant, c'est pas non plus une obligation, c'est juste un classique du build order. C'est ça, puisqu'effectivement, les deux autres solutions étant de faire un noyau de fusion pour faire soit de la portée des Libérateurs, soit des Battlecruisers, TKL prend des risques énormes sur cet opening. En disant que ça doit être Corbeau ou... Ou Banshee, ouais. On aurait dit un commentaire à la pompe, tu vois. Alors coup, là, il va poser une Spire ou un Roach Warren. C'est ça. Tu sais, des fois, il faut savoir être modeste dans ce qu'on veut produire. Voilà, c'est ça. C'est important. Non. Mais tu vois, je pense que Le Pen ou Macron va gagner l'élection présidentielle. C'est ça. Je pourrais même mettre de l'argent là-dessus. Ah ouais, hein. Bah, tu sais quoi, je vais prendre le parieur compulsif. Ok. Bah, c'est parti. Non mais après, tu sais qu'il y a probablement une cote qui existe. Ou ce n'est pas l'un de ces deux-là qui gagne l'élection présidentielle parce que j'en sais rien, ils meurent tous les deux dans le même attentat, tu vois. Mais il y a sûrement des gens qui ont parié là-dessus. Ouais. Ce qui est à la fois triste et drôle, de manière assez intéressante. Voilà, ça c'est un bâtiment de qualité. Oui. Comment battre Yogo, partie 1. Puisqu'il vous permet de faire des pingouins avec des lance-flammes, ce qui est toujours sympathique, hein, bien sûr, si vous avez déjà vécu au Pôle Nord. Clairement, non mais la marche de l'Empereur aurait été tellement plus drôle si les manchots avaient un lance-flamme. Genre tu aurais la marche de l'Empereur et Expandables dans le même film, tu vois. Tout est plus drôle avec un lance-flamme. Exactement, franchement, le lance-flamme, c'est un truc qui rend la vie plus drôle. Et j'étais allé voir les mecs Studio 743, je crois, qui développent les jeux Halo pour Microsoft. Oui. Et pour Halo Wars 2, du coup, qui était un RTS sur Halo. Ouais, non, mais déjà, il était en vente que sur le Windows Store, donc bon. Par contre, les mecs avaient eu un budget son complètement faramineux. Du type assez faramineux pour te dire que quand tu vas enregistrer un tank, tu vas lever le tank. Nice. Pour mieux enregistrer le BADHP. Attention, ils sont également en train de prendre les goodies sur leur défense qui essaie de target directement sur le corbeau pour le prélever. Mais le corbeau, pour l'instant, qui est comme sa tourelle, balance finalement sa tourelle et les goodies sont en train de prendre très lourd sur cette séquence. Mais il y en a trois encore en vie. Les Hellbat sont présents aussi. Hey Yogo! Ça me paraît. Dommage, il est plus là. Ouais, il est déjà parti. Mais les Hellbat ici sont en train de gagner la game. Je vous propose de clipper les derniers instants de cette game et de tweeter at Dr Yogo. Toi aussi, tu pourrais être en GSL. Oh là là! Oh là là! Oh là là! Oh là là! Ouais, par contre, il a perdu 15 VCS. Ouais, il y a eu un run-by, mais. Ok. Mais je veux dire, il y a 25 derniers supply, il y a 8. Moi j'y crois. Mais ouais, non, c'est... Avec une unité et 6 drones dans la barre de production. 9. Ouais, non, c'est... Bah, on comprend mieux les 25% de win contre Terran de la part de Curious. Et voilà. Et du coup, les mecs avaient aussi enregistré un lance-flamme et fait cramer 4 ou 5 arbres pour enregistrer le meilleur son possible. Nice. Genre. Ça c'est du bon boulot, quand t'as le droit de jouer avec un lance-flamme pour le travail. Non mais tu sais, tu soulèves de tank et t'enregistres des lance-flammes. Franchement, des fois, s'occuper de la musique d'un budget de... Enfin, d'un jeu vidéo, il y a des moments où ça peut être drôle. Ouais, non, clairement, une reconversion qu'il faut envisager. Is that live? Yes. It is. Évidemment. Je trouve cette musique tout à fait appropriée pour ce qui vient de se passer. Genre, on devrait récupérer du Chopin, tu vois, pour ce genre de game. Pourquoi du Chopin? Petite marche funèbre pour Curious. Ouais, effectivement, là c'était brutal. On est parti entre quatre planches pour le joueur Zerg sur cette game numéro 1. On espère que sur la game numéro 2, eh ben, on aura un petit peu plus de résistance. Parce que voilà, moi je parlais de bon TVZ un TVZ qui se finit de cette manière. Oui, c'est beau, mais non, c'est pas très fun. Disons, à dose homéopathique, ça passe. Scribel, lui qui est 1309, qui en est à 6 mois de resub. Bien entendu, le resub, lui, au contraire, c'est comme toute bonne drogue. Plus t'en as, mieux t'es. C'est vrai. Ici, au gaming, on adore la drogue. En haut à gauche, en zergue bleu. Surtout celle qui s'appelle StarCraft, tu vois. La meilleure de toutes les drogues. Et en bas à droite, en terne rouge. Le smirk hein, qui correspond parfaitement au truc, c'est vraiment ce petit sourire un peu narquois, un peu c'est... méprisant genre. C'est ça, le sourire de putain t'es vraiment nul à chier. C'est ça. Je trouve c'est ça. Gogo Maru, bien sûr, les Occidentaux qui sont là.
C'était tellement bien écrit que personne n'a jamais pensé à faire une police pour un traitement de texte comme ça. Quoi ? Voilà. Fallait que je me foute de la gueule de la façon dont c'était écrit. D'accord. C'était gratuit. Fallait que je sois méchant gratuitement. Exactement. Avec cette personne que je n'ai jamais rencontrée et sur laquelle je ne serais pas du tout capable de mettre un jugement de valeur en théorie. Mais il a fait cette erreur d'exposer un élément de sa personne, son écriture. Non, mais... Subis mon cours en roue. Je sais pas si ce jeu de mots était génial ou nul à chier. Bah, considérant que je l'ai inventé en l'espace de 10 secondes, c'est pas mal. Hein. Ouais, ça pourrait être pire. Ah, c'est un peu comme ce wall, tu vois. Il est bien sur le principe, mais dans la pratique, ça ne sert à rien. C'est ça. Ok. Ça, c'est si le mec qui avait dessiné la ligne Maginot était pas juste con, mais bourré en plus, tu vois. Oui. En même temps, est-ce qu'il ne l'était pas? Parce que ça n'a pas marché très bien, cette histoire de ligne Maginot. Et là, ils ne pourront pas nous prendre un revers, parce qu'on a fait un trou dans le mur. Voilà. Encore une fois, un opening factory hein, du côté... Du bon Malou, donc on pourrait s'attendre à un réacteur sur cet axe. Voilà, et un wall toujours pas fini. Non mais et, ça va. Ouais, non mais... Ceci dit, au début j'avais vachement de mal à voler. Parce que c'est pas clair en fait l'endroit où faut le faire. Ah bon? Sur Abyssal Rift, non? Non mais t'es proto, tu voles jamais en haut toi. Non, contre Zerg je ne vole effectivement jamais en haut, mais enfin, tu sais, il y a un truc qui s'appelle afficher la grille. Non mais même avec la grille en fait. Ah ok. Bah, tu sais quoi, j'essaie. Pour toi il fallait. Et là tu fails et je rigole tellement. Ça serait drôle. Bonne micro cas, ici. Ouais, bonne micro de la part des deux joueurs. On n'a pas perdu de Zergling, on a infligé beaucoup de dégâts du côté de Maru. Petit bunker des familles sur la B3. Non mais j'aime bien, c'est le mec qui vient scouter WCV mais... Ce qui est vachement cool en faisant un bunker, pourquoi faire un bunker et pas un centre technique? En fait tu fais un bunker si tu penses le finir. Quand tu cancelles ton bâtiment, tu récupères 75% du coup. Quand tu cancelles, enfin salvage ton bunker, tu récupères voilà 75% du minerai. Mais en plus ton bunker a un d'armure comme il est fini. Là où un bâtiment en construction n'a pas d'armure. Et ça c'est beau. Ça c'est tout à fait glorieux. Et sinon tu fais un centre technique parce qu'il y a plus de vie. Voilà. Mais et, là, et tu récupères 75% sur le centre technique? Sur le cancel, oui. Ok. Mais quand tu peux le finir, mieux vaut faire un bunker, surtout quand t'as un gros sac, tu peux mettre ton Reaper dedans. Si. Le corbeau qui est envoyé de la part du bon Maru. A ton avis, il meurt sur des Hellbats. Il fait pas beaucoup de queen, non? Il y a moyen quand même. Il fait pas beaucoup de queen et ça manque cruellement d'un Roach Round ou un Bending Nest pour tenir ce genre de truc. En fait, la théorie c'est que vu que c'est vraiment pas fort, personne n'en fait. Mais comme personne n'en fait, quand t'en fais, tu gagnes. Enfin, le mec est pas prêt. C'est un peu le principe. Ce cloak est complètement fake. Après, j'ai déjà vu des enchaînements avec une Banshee derrière. Ouais, mais je trouve ça tellement mieux de faire un deuxième corbeau qui est à faire. Ok, Banshee quand même. Qui va maintenant le cloak? Une fois que tu es lancé, ça coûte vraiment rien en fait. Bah ouais, maintenant c'est... Ce qui est très drôle, avant les gens faisaient cet upgrade qui s'appelait le réacteur Caduceus qui servait pour l'énergie des medivacs. Bon, ça c'était... Le petit move du swag, t'attaques ton Reaper pour tuer la crypte, tu meurs. Mais depuis le cloak a été buff et du coup coûte aussi cher que n'importe quel autre gun, donc tu fais le cloak. C'est ça. Alors, c'est pas encore nerfé. La tourelle qui vient faire du dégât du coup dans la ligne de minerai, 2 drones, 3 drones. Ah, ça c'est réagi lentement hein, du côté de Curious qui va même perdre un quatrième drone. Ah, bien trop ici de la part de Curious. Et c'est vraiment un test sur ta vitesse de réaction. Voilà, ça c'est une bonne vitesse de réaction. Bon, par ici ces walls qui sont tricky, notamment comment tu agences celui-là en fait. Autant celui-là est relativement simple, tout le monde met 3 dépôts, je veux dire, même les protos t'as souvent pylon gate et c'est bon. Celui-là, si tu décides de le faire, est bien plus technique. Et du coup on va rajouter des casernes, de la bio en face. On a posé double chambre d'évolution après le T2, donc des deux évo assez tardives. Et la game va pouvoir continuer. Bon,
bon target. Hein, sur les drones, on a pris un point de plus que ce qu'on aurait pris normalement si on avait laissé faire sur les Zerglings. La Banshee qui va trouver son chemin vers la B3. Il y a déjà une Spore qui est terminée, des Queens qui sont en place. Donc normalement, on ne devrait pas trouver des masses de dégâts très impressionnantes. Ce qui est un peu plus impressionnant, c'est le nombre de champs d'évolution qu'on avait en construction. On en avait 4 et c'était 2 qui étaient là pour le wall en fait. Et qui sont en train néanmoins de se terminer. Ouais, non, c'est juste qu'il a oublié qu'il y en a ces deux autres. Attention ici, tentative d'encerclement. Dodge, dodge, dodge. Oh, c'est bien micro de la part des deux joueurs ici. Notamment de Maru. Hein. Là, il y a un très bon décalage des deux Hélions un peu vers le nord. Et du coup, le combo Terran coréen plus Banshee Cloak plus stade de la détection égale tu perds quand même 8 workers. C'est juste insupportable. Genre les mecs avec des Banshees, c'est vraiment le truc. J'ai vu aucun joueur Terran non coréen arriver ne serait-ce qu'à la cheville des ouais. meilleurs Terran. Non, clairement. Avec une Banshee, c'est abusé. La micro-gestion est juste supérieure ici, vous le voyez, hein, un drone supplémentaire qui a été attrapé par Maru, qui rentabilise complètement son build order. Et là, qui va commencer à même faire des gros bénéfices là-dessus avec un drone supplémentaire qui a été tombé. Forcément, la Banshee s'en sort à quelques PV. Attention ici à ne pas donner ce petit corbeau qui te permettra quand même d'économiser moult scan. Derrière, le 1 a été lancé quand même bien tardivement par Maru. En même temps, on peut pas poser des Rax, une B3, faire des Banshee Cloak, des corbeaux et avoir le 1. Faut pas pousser. Rip le corbeau. Ouais, il est un peu trop dansé dans la queen pour essayer de pouvoir lancer ou plutôt sa tourelle malheureusement. Ce qui lui coûte le corbeau. Toujours dommage hein, de perdre cette unité, mine de rien, enfin. Une fois que tu l'as, c'est une unité qui peut te permettre d'économiser sur le long terme quelques scans, ce qui est forcément sympathique. En fait, une fois que tu l'as, faut la garder toute la game. Oui. Puis les unités, bah, à l'image d'un Ops ou d'un Prisme. Oracle. Ouais, d'un Oracle, d'un Prisme de transfert ou. J'en sais rien. En Zerg, tout est dispensable. Non, mais le vigilant, c'est toujours chiant de le perdre, tu vois. Ouais. Mais... C'est pas comme si t'avais fait des dizaines d'Overlord dans la partie de toute manière. Et que ouais. du coup, tu peux en refaire un rapidement de vigilant. Mais ça coûte de la thune. Certes. Mais tout coûte. Ah, ça dépend. Et non, pas les locustes. Exactement. Voilà. Il y a plein de choses qui ne coûtent pas de la thune. Et... Transformer mes lions en Hellbat, ça ne coûte pas de thune. Les et adeptes. Pour le reste, j'ai la Mastercard. Très clairement, pour les adeptes, la Mastercard n'est absolument pas indispensable. Genre, ta carte d'étudiant avec retrait limité à 15€ par jour te suffit de largement à faire suffisamment d'adeptes. Oui, ça doit être ça. L'engagement ici qui pourrait se voir à tout moment des Hellbat, des Banshee et beaucoup de marines. Il va falloir avoir un target ou un split de qualité hein, du côté de Maru pour faire face à tous ces Bendlings qui n'ont pas encore le speed surf mais qui vont l'avoir bientôt. C'est ça. Et on peut aussi look at the supply. Look at the supply. 40 de supply armé d'écart. Ouais. Le 1-1 qui va se terminer pour Maru. Du coup, il devrait pouvoir trouver. Et eh bien une grosse faille dans les défenses de Curious. Ici c'est la Queen qui est en train de prendre la dose. Certes elle aura pris une Banshee. Est-ce que la Banshee tue la Queen derrière moi? Oh non, c'est dommage la part de Maru. Je crois qu'il a trouvé un sweet spot par contre. Ah oui. On était pas juste en reposition. Ouais. En attendant ici, le vrai engagement arrive. La speedbend qui n'est pas encore terminée. 10 secondes Curious, il faut être patient. Il faut attendre ces 10 secondes pour une fight qui doit lui permettre de revenir dans la game. 30 de supply d'écart ici. Et la speedbend est finie. 16-9-21 pour le resub ici, l'engagement gardera de se prendre dans les Bendlings qui essaient de trouver les bonnes connexions mais pour l'instant ils connectent essentiellement dans des Hellbats. C'est pas ce qu'il y a d'idéal, il y a énormément de marines restants, il y a très peu de Bendlings encore présents. Ils se font target instantanément. Curious qui n'aurait été qu'un fétu de paille dans la tornade Maru. Et ce dernier qui va allègrement aller rouler sur ce qu'il reste des défenses du joueur Zerg. GG. Je pense que Easy s'impose pour décrire cette série. Oui. Sensué, facile, hein, juste deux joueurs complètement pas au même niveau dans ce match-up. Maru largement supérieur en TVZ. En même temps, quand on voit les stats de Curious, quand on voit le contenu des dernières games de Maru, notamment sa série de très bonne qualité face à Soup, hein, pas très étonnant que ça se passe fort mal pour Curious ici. Et Maru, du coup, qui rejoint Innovation, deuxième ouais. Terran qualifié. Maru, Innovation, quand même, ça sent bon, Earth of the Swarm, mais les temps glorieux pour la race Terran. Ouais, non, clairement. Et Zenob, hein, désolé, ton message n'est pas forcément passé. Il y a un petit bug avec Twitch en ce moment. Ils ont modifié un truc dans leur algorithme. Et du coup, malheureusement, il arrive que les messages ne passent pas. Mais bah, peut-être que Cosby peut nous récupérer ce message. Ouais, du coup, on pourra en reparler voilà, juste après la petite page de pause réglementaire. Ou dans quelques instants, on verra. Puisqu'il nous reste quand même deux matchs ce soir. Ah. Est-ce qu'on a l'interview en anglais de Maru, mon cher Cosby? Ah, ça va pas être en anglais. Ça va être en coréen. Quoi? Ils vont parler en coréen, les deux. Oh.
Ah, mais est-ce que test traduit par-dessus, puisque voilà, on a largement le temps, on vous rappelle que la suite de la soirée, tout simplement, c'est 21h pour continuer Dawn of War 3 entre notre compagnie à tous les deux. On a plus ou moins joué chacun, mais on peut vous laisser avec Maru pour l'interview. Ensuite, petite pause et on revient tout de suite après pour Super contre Dark. A tout de suite. Alright, we're gonna have our interview now with Maru. Congratulations, Maru. He says thank you. 이번에도 올라갔습니다. 소감 어떠세요? So you made it to the round of 16 once again. How do you feel? 올라가니까 되게 좋은 것 같아요. I didn't have that much expectations for tonight's matches, but since I made it out right away, I'm happy. 적이던 적이던 승리라서 더 기쁠 것 같아요. 솔직히 영우 형이 올라. She's been having a hard time against Zergs, but you beat Curious handily. How do you feel? 올라오셔가지고 편했던 것 같아요. 네, 과감한 올인으로 시작하게 된 배경이 있을까요? I thought Dark was going to make it to the winners' matches, but so I was surprised to see Curious there. 네. 이원표 선수와 만나서 이렇게 빠르게 공격적으로 시작을 했잖아요. 네. 그냥 해보고 싶어서. 아 해보고 싶어서? 네, 해봤어요. 한 번도 안 해본 거라서. She's been playing really aggressively. 모르실 것 같아서. 그동안은 I haven't seen you use a lot of these bills before. He says, yeah, I don't use them that much, at least not in televised matches. 그래요. 자, 오늘 프로토스전 인상 깊게 본 세트가 전 3세트였어요. You're yes, why are you having a hard time against Zerg? 정말 좋은 것 같아요. 이렇게 우간토스에게 강력한 모습을 I still don't have that much confidence in that matchup. 솔직히 예전부터 쓰려고 그랬는데 네. 토스를 안 만나더라고요. 아. 그래서 오늘 쓴 건데 네. 괜찮은 것 같아요. 네, 이렇게 Gary 오늘 적그전에서 모두 좋은 모습 보여주셨습니다. 자, 이번에도 said, yeah, 코데스 승리를 하게 됐어요. 벌써 이번이 14번째 코데스였고요. 아, 진짜요? One of my 네. best assets. 되게 오래됐네요. So I'm glad 네. I can show off my builds in that matchup. 오프시즌 때부터 지금까지 꾸준하게 활약을 해주고 계신데 그런데 결승을 가야 해요. 네, 너무 아쉽네요. 네. 이번에 올라가야죠. So you make it into the high rounds, but it seems 그렇죠. like you have a hard time getting 네, to the finals. Tell us about that. 다짐을 그럼 들어보도록 하겠습니다. And he said, yeah, I hope I can make it this time. 저가지고 좀 걱정 많으신 팬분들. So recently I've lost a lot of matches. 좀 높게 올라가도록 하겠습니다. Unbroadcasted matches. 아니죠? Sorry, my broadcasted matches, so I feel sorry for all my fans. 긴장도 so I hope I can make it really deep 네. in this GSL 네. Code S. 감사합니다. 네, 앞으로는 좀 더 so that also makes me a little bit nervous. 기대를 해보도록 하겠습니다. 다시 한번 16강 진출 축하드립니다. 감사합니다. 네. Hopefully you overcome your nerves. 자, 이렇게 이번에도 Congratulations 3시즌 again. 연속 16강 진출에 And that's going to do it for our interview. 조성주 선수를 yes. 만나봤습니다. Mario moves on.